RDC détient la délivrance, la libération de l'Afrique. Ce qu'est l'Afrique, la RDC n'est pas libre. L'Afrique, si la RDC n'est pas encore libre, c'est-à-dire toute l'Afrique n'est pas libre. Est-ce que la RDC n'est pas libre? Vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La RDC n'est pas libre parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont prophétisé sur la RDC et ces prophéties-là n'ont pas été considérées. Nous avons un prophète qui a parlé pour notre pays. Le prophète Simon Kimbangu. Otoyo qu'elle a été tilelo. Dans tout le monde, Kimbanguiste bisonyoso. Dans l'obité que tout le monde, Kimbanguiste bisonyoso. Bah, religieux dans la RDC. Et se réunir pour le bienfait de la haine. De la RDC. Autour du nom du papa Simon Kimbangu. Pas autour du nom du papa Simon Kimbangu, mais autour de la prophétie du papa Simon Kimbangu. Oui. De la personne Simon Kimbangu. Nzamba pesa prophétie à Liboso à Lobaboué. Que na date telle, na mukolo telle, na ngonge zoya, RDC kuzo indépendant, indépendance. Si ma indépendance, il va se passer 40 ans, il y a tribulation. Le pays sera en feu. Mais après 40 ans, le pays sera encore dans la paix sociale. Ici, tu l'as dit 40 ans. Mais 40 ans, on a déjà c'est l'équipe. Je fais les calendriers, j'ai regardé les calendriers. 40 ans, il y a 2000 ans. Institution nuance, il y a RDC. Il faut ça la recours, la prophétie, il y a mis bas, les fagés, il y a de cela 40 ans. Mais 40 ans, c'est l'équipe. Tout ça, les 64 années, il y a indépendance. Donc, tu as ici 24 années, na kacha souffrance au RDC aussi. Alors quel est le schéma pour que l'église de Jésus soit autour de la prophétie de Papa Simon Kimbangu? C'est unité spirituelle nationale. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limété, 1ère rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tirtembe, au Moniambo. Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga 3 Azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays à partir y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, boko zwa CNN Alligator na baninga tu awa boko sepe la joli kitoko. À partir y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele sou kabisanga, boko zwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge, poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir à minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a posé Sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma bichonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçois la 50 boîte. Ma kataki, c'est John Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nasimea McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko y ambiance, na kati à Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil mo Bimba, Cité FM Moko, Afrique Info. Avec Frank Semai, qui est en Dankala. Twende! X-Bass. Maranura. Frank Semai. Heureux de vous retrouver encore sur la des internautes. Merci pour la confiance et la fidélité.
qui vous accordez bien sûr au programme d'Africa Info. Alors tous les amis de Franck Stémaï, je ne vous oublie pas, merci également à vous. Nous sommes ensemble et merci de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous retrouver bien sûr parce que dans cette émission Face à Franck d'aujourd'hui, nous allons recevoir un homme dédié. C'est le prophète David Kapenge qui est venu bien sûr nous voir. Il est prophète dans l'église à la restauration des Goma, donc il est à Kinshasa pour des raisons qu'on va tous connaître ici dans cette émission. Prophète, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Papa Franck. Santé madame. Oui, santé, tellement kitoko. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes à Goma. Vous êtes à Nzambo, vous voulez à Goma, une église de la restauration. Oui. Alors, vous êtes à Kinshasa pour des raisons, il y a Moussala ou bien des raisons privées? Merci pour la question. Effectivement, nous sommes à Kinshasa pour des raisons et à Moussala. Il y a Moussala Nzamine Mbiso Awa, église de la restauration Kinshasa. Et pas il y a Papa Nangai que je salue, l'apôtre Moïse Kasongo, ce cas aux occasions à l'Andabiso. Restauration paysanne à Kinshasa. Ah, on semble pas Moïse Kasongo. Voilà, j'ai été invité par lui. Okay. C'est lui qui m'a invité. Ah, prophète Moïse Kasongo, Nabandal. Nabandal, effectivement. Ah ouais. Ok. Alors. Azabien? Oui, Azabien, malgré la situation, il y a poison, parce qu'il a été empoisonné. Au Taki Dubaï, vendredi, la semaine écoulée, mardi, à Kouyaki na bureau. Aujourd'hui, quand même, et nous avons été obligés à Kolongola Moutouma, on a Goma pour un traitement rapide. Alors, ça va déjà. Ok. Ça va déjà et ça évolue bien? Oui, ça évolue bien. Très bien. Alors, Togoye, quand même. Depuis quand comme un prophète, quand est-ce que bah consacré comme un prophète confirmé de l'Église? Gloire à Dieu, Namusa Nanzambe. Je suis né d'abord d'une famille chrétienne. Le Seigneur nous a aidé d'être utile dans son œuvre depuis des années. J'ai été baptisé en 2010. J'ai été baptisé en 2010, qui j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Alors, à l'église, je travaille comme chantre. Je joue au piano, je joue au drum, donc je fais la musique. Je suis un artiste, compositeur, écrivain. Et hormis ça, le Seigneur m'a appelé, c'était en 2000, appel au ministère, parce que nous avons deux sortes d'appels. Appel au ministère, j'ai réussi en 2016. En 2016, j'ai cheminé jusqu'en 2019. On m'a imposé les mains comme un prophète de Dieu. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous œuvrons dans l'œuvre de Dieu comme prophète missionnaire. D'accord. Donc, c'est ça. Nous connaissons votre papa, je dirais. Azaki a invité Nabiso, je crois, il y a une année. Ça fait une année. Et une année passée, en tout cas. C'était en 2023, vers le début. Alors, Batobele Bayebi qui a intervenu à trop dans les médias. Et pendant que tu parles de lui, je pense qu'il y aura des réactions et concernant Rami son nom. Et cela, ça va revenir à ton Tchabanibon Abino. Mais comment vous êtes en train de voir l'œuvre de Dieu ici en République démocratique du Congo? C'est une très belle question. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu ici. En République démocratique du Congo, d'abord, je vais commencer en disant que c'est un pays qui est considéré comme un pays laïque. Mais au fond, ce n'est pas un pays laïque. D'accord. La RDC, c'est un pays chrétien. Et laisse-moi dire à tous les Congolais, également à tous les Africains, et surtout pour tous ceux qui sont au niveau de planète, donc au niveau du monde entier. Je vais le dire, que les gens doivent savoir que la RDC, c'est un pays qui porte la responsabilité spirituelle de l'Afrique. Et la RDC, ce n'est pas un pays laïque comme nous le considérons, mais c'est un pays profondément, richement, largement chrétien. Pourquoi je dis ceci? La RDC détient la délivrance, la libération de l'Afrique. Pas seulement de la RDC seulement, mais au niveau africain. C'est ce que la RDC. L'Afrique n'est pas libre. L'Afrique. Si vous localisez bien l'Afrique, l'Afrique n'est pas libre. Parce que la gâchette n'est pas libre. Qui détient la gâchette? La gâchette, c'est la RDC. Oui. Si la RDC n'est pas encore libre,
C'est-à-dire toute l'Afrique n'est pas libre. Et quand vous dites que la RDC n'est pas libre, vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La RDC n'est pas libre pourquoi? Parce que dans la RDC, il y a eu des gens qui ont parlé de la RDC. La RDC n'est pas libre parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont prophétisé sur la RDC et ces prophéties-là n'ont pas été considérées. Et dans la RDC, il y a des prophètes socles du pays qui sont mal compris. Je prends l'exemple de la personne. Non, restons d'abord dans la libération de la RDC. Ok. La libération est confisquée ou pour qu'elle soit... la RDC est confisquée ou pour qu'elle soit libérée. Et cette libération passera par qui? Voilà. Merci beaucoup. La libération de la RDC, c'est entre les mains de Dieu, d'abord. Et si un peuple tourne le dos contre Dieu, automatiquement, ce peuple-là est délaissé par Dieu. Ce que Dieu pouvait faire pour ce peuple-là va retarder. Ce que Dieu a promis viendra, mais en retard. Et là, en retard viendra lorsque le peuple aura compris que nous avons détourné nos oreilles de ce que Dieu nous a parlé. Je prends directement l'exemple d'un prophète qui a donné des prophéties pour la RDC. Et Dieu m'a inspiré même le calendrier d'où les prophéties devaient déjà être exécutées. De la personne Simon Kimbangu. Nzamba pesa une prophétie à Libosa Lobaboué. Que na date telle, na mukolo telle, na ngonge zoya, RDC kouzoua indépendance. Si ma indépendance, il va se passer 40 ans. Il y a tribulation. Le pays sera en feu. Mais après 40 ans, le pays sera encore dans la paix. Donc la première libération de la RDC, c'était la colonisation. Ouais. Mais la deuxième libération de la RDC, c'est l'équilibre dans les pays. C'est-à-dire au niveau économique, au niveau social. Mais ici, tu l'as dit 40 ans. Mais 40 ans, on a déjà fait l'équilibre. Je fais les calendriers, j'ai regardé les calendriers. 40 ans, il y a 2000 ans. Oui. Tu crois 24 années de plus, et où tu es? Wapi. On comprend la libération à RDC, il faut aller à niveau Oyo. À niveau indépendance, nous sommes déjà un pays indépendant. Mais à niveau de la vie sociale, Nabiso. Mais est-ce qu'on est comme membre? Est-ce qu'on est comme membre? Il y a gestion, il y a beaucoup à dire. Ça dit que ma politique, lui, bah tu vas constater la musala malin pour que beaucoup Nabiso et retrouver bonne marche nango. Ça dit que social la peuple est à la bien. Ma construction, reconstruction beaucoup ça la ma comme il se doit. Est-ce que nous sommes encore spirituels? Papa Franck, laisse-moi vous dire que tout ce que vous êtes en train de voir sur le plan physique a pour origine des fonctionnements spirituels. Nous sommes vivre sur le plan physique, ce sont des décisions spirituelles et ces hommes. Des répercussions qui se manifestent dans la physique. On s'assure que beaucoup ont développé la France, les États-Unis et autres. Ça semble mieux que Bissot. Ça semble mieux que Bissot, mais ils ont la spiritualité. Ils ont respecté la culture na bango. Bazo respecter coutume na bango contrairement à nous en RDC. Biso coutume na biso zalini culture religion na biso au photo dans les zalini. Religion na biso d'abord nous avons des religions autochtones. Nous avons un prophète qui a parlé pour notre pays. Le prophète Simon Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu. Oh toyo qu'elle a été tilelo. Oh toyo qu'elle a été tilelo. Dans tokomba kimbangiste biso nyoso. Na lobite que tokomba kimbangiste biso nyoso. Et le Congo na zo luka ezake ba religieuse dans la RDC et se réunir pour le bienfait de la RDC autour du nom du papa Simon Kimbangu. Pas autour du nom du papa Simon Kimbangu, mais autour de la prophétie du papa Simon Kimbangu. OK. Pas autour du nom du papa Simon Kimbangu, mais autour du nom de Jésus-Christ. Mais au travers de la prophétie que Jésus a inspirée à son prophète, ce qui to se saisir ne loko wana. To côté les mains et puis ma kambe ko avancer. Tout ça n'a pas sa libération, il y a pays tout d'abord. Ça, c'est la vision, les mots que j'ai à dire pour la RDC. Prophétie est à la Kiboïk. Il y aura un moment, un temps viendra où la RDC va subir l'indépendance, où la République démocratique du Congo va consommer sa libération. Ils ne seront plus assujettis par le blanc. Ils ne seront plus traités comme des macaques. Ils ne seront plus traités seulement comme des noirs sans reconnaître les qualités qui nous incarnent. Alors, l'indépendance, oui, tout Sibir devient indépendant,
indépendance toujours en l'heure de toi qui va vers 60 quelques années. 64 années d'indépendance. Mais il a dit ceci, la deuxième des choses, on escalade Kamonanga Eza. C'est là où que je dis que les prophètes sont mal compris dans notre pays. Deuxième prophétie, il faut libération sur les plans sociaux, sur le plan économique, le plan de justice. Donc, institution nuance à RDC. Il faut ça la recours na prophétie Yamiba. Yamiba, les fagés que ça me y a de cela 40 ans. Mais 40 ans, c'est l'équipe. Tout ça, les 64 années, il y a indépendance. Donc, tu as ici 24 années, na kacha souffrance au RDC aussi. Et au Sibir. Je ne parle pas que les politiciens ont travaillé. Non. Félicitations à notre président de la République, le papa Félix Antoine Tshisekedi, et toute la communauté au Bazo travaille pour bien faire. Vous travaillez très dur. Je suis en train de voir le ministre de la Justice. Il travaille sérieusement matin, midi, soir. Il ne dort pas. Mm-hmm. Et je sais, ce n'est pas seulement lui. Tout Congolais est en train de parler. Nzambe mboko ekobongandenge ninto na posa makambo e marché. Na lobite ke Bazo baisse bras. Il travaille sérieusement. Mais attention. Tout roi qui a travaillé, qui a assujetti un peuple de Dieu, faisait recours à ce Dieu-là. Tout roi, sans exception. Moutounion soit à Kanzambe Mboke Kabwana. Salomon a dit Kanzambe Royaume Kabwana. Mais heureusement pour nous, on a président Oyandim Kanzambe. Heureusement. Il y a Mboka, na Mboko Kanzambe, na stade de martyrs. Congolais nous sont à Kiwana pour nous participer na culte. Wana. Il y a un culte spécial. Il y a pour na côté de Mboka na Mboka Nzambe. Président Mboka Nzambe qui tout le monde tombola qui maboko. Au moins tu as un président, nous avons un président qui président chrétien qui croit en Dieu. Qui croit en Dieu, c'est ça. Alors, c'est qui prophétie faut que ça. Prophétie et ko kisama soki ba église au na Congo et se réunir autour ya prophétie oyo. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Au moins, les Cambois comme la RDC, ils ont les Cambois Saléman et Bana Israël. Ça s'est passé la même chose qui se passe chez nous. D'accord. Et le quoi, Libosso, Dieu a dit à Abraham, ton peuple, tes enfants, iront en émigration dans une contrée qui ne sera pas les leurs. Ils seront assujettis. Ils seront asservis pendant autant d'années. Après ces tant d'années, j'enverrai un libérateur. Un prophète qui va venir, qui va parler, et vous serez libre. Moïse n'a pas apporté des armes en Égypte. Il a mené la parole que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit a la capacité de libérer un peuple entre les mains d'un autre peuple qui détient des armes, qui ont des stratégies afin de vous détruire, de vous maintenir dans cet état-là. Mais quand un prophète vient avec la parole qui vient de Dieu, la parole change tout. C'est la parole qui a créé tout ce que nous voyons. Ça s'est passé encore une fois en Israël. Un prophète s'est levé. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, lisez le verset premier. Les gens ont l'habitude de s'arrêter au verset 11, là où dit que « Invoque-moi, je te répondrai ». C'était toute une prophétie que Jérémie avait donnée au peuple judaïsme. Il leur dit quoi? Il dit « Il y a un temps qui va venir ». Puisque vous avez ignoré les paroles de l'Éternel, l'Éternel va vous envoyer en déportation vers un peuple qui va vous assujettir. Et c'était quoi le peuple là? C'était les Babylonais qui ont assujetti les enfants de Juda. Et c'était à l'époque de Daniel que la prophétie s'est accomplie. Simon Kimbango a parlé. Mais là, il fallait que quelqu'un soit suscité pour qu'on mette ma lumière à ce qui a été dit. Alors, quel est le schéma? Pour que l'église de Jésus soit autour de la prophétie de Papa Simon Kimbango. C'est unité spirituelle nationale. Et non, ce qui est mon nom, c'est que permettez, n'attendez pas comme l'église, et n'attendez pas comme l'église. Et ce qui est mon nom, c'est un frère à la compassion, un frère à la restauration, donc il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Au moment de la divergence, c'est qui tue déjà le pays. Donc, yo, ce qui est encore, moi je suis de la restauration, ce qui est un bureau, au sein de l'église, nous la compassion. Moi, je n'appelle pas ça, exact. Oh, nous sommes tous des chrétiens. Ce qui est bien, c'est que nous sommes bolingo. Bilo kwa bongo. Tozo bannir, aimer ton prochain comme toi-même, et puis tozo lukanzambe abi ki samboka. Ça ne va pas marcher, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est au niveau quand même de fidèles.
Ici, nous parlons des leaders des églises, des pères spirituels. Ce n'est pas eux qui portent la vision. Il faut qu'ils te soutiennent au niveau Bandimi. Pour ceux qui ont l'idée de Bassangani, tout ce que vous dites là, genre Bandimi a. Aux exemples, la compassion, la restauration. Non, on a fait comprendre la divergence, diversité. Diversité qui amène la séparation dans un pays, dans un peuple. Donc, ceux qui n'écoutent pas, ils ont la même chose. C'est que l'éducation n'a pas été. Et pas à Baboti. Ceux qui n'écoutent pas, Abimakatonga a 23h na ndako. A eu permission wana wapi? Et pas ya babote. Soki na moni mwana. Soki na moni mwana. Papa ya voisin benga kae papa te. Abenga kae mon amour. Éducation na zuango wapi? Alokoti na balabala, soit azuango pa na yo. Et laisse-moi vous dire, l'école d'éducation pour notre pays, c'est la l'église. C'est l'église qui est à la base de tout ce qui se passe dans le pays, Okay. Parce que c'est eux qui détient l'aspect spirituel du pays. C'est l'église qui détient ça. Roi David ne faisait pas recours pour rien auprès des prophètes Samuel ou soit auprès des prophètes Nathan. Parce qu'il comprenait que ce pays, ce peuple ne peuvent pas marcher sans le Dieu de ce pays. Ici au Congo, nous avons un Dieu. Et laisse-moi vous dire, il n'y a pas un pays plus chrétien que la RDC en Afrique. Même ceux qui ont serviteur, moi, qui ont impacté. En dehors, il y a Congo, mais en Afrique, kaka. T'as l'origine, naïe. On se rend compte que c'est un Congolais. Parlons de Alpha Lukao, en Afrique du Sud. C'est un Congolais. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Problème, n'anga, Isaac, que Christ soit centrique en RDC. C'est tout. Impact et salement. Et ça, ma blague, comme si tu te forçais, tu utilisais sous ma muscle. Et Dieu va agir. Dieu va agir. C'est nous, on a chemin à Wana qui va. Être comme voilà un pilier unificateur. Laisse-moi vous dire que là j'ai lancé un défi auprès de nos évêques internationaux au bazo chapeauté non comment la confession religieuse. Confession religieuse. C'est à eux de travailler. C'est eux qui ont le mot à dire. Bako benga, bato assemblée telle assemblée telle bwana to ça, to sangana. Makambo to vivre la source normale, c'est ce que Daniel a fait. Ouais. Daniel a moniqué, taille ya souffrance c'est l'équi. 70 semaines de Daniel c'est ko kisami. Mais o ezo bakisama o ezo utawa, ezo utawa. Même bana Israël. Quand ils ont compris, la Bible dit ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel dans Exode 3 dit à Moïse que j'ai attendu les cris de mes enfants qui leur fait pousser ses oppresseurs. Maintenant, je t'envoie. C'est comme ça. C'est comme ça. Des prophètes sont mal compris dans notre pays. Même ngane na ole kabé, jeune oyo vraiment ayeka ka koluka besté, na yo luka besté. Peut-être j'ai apporté ta guérison. Parce que au-delà du parler du pays, nous avons l'onction qui marche avec nous. Nous avons le pouvoir qui marche avec nous. Nous avons l'autorité qui marche avec nous. Nous avons le mandat de ressusciter des personnes, même à Sakoufa Bakundi. Et je l'ai dit clairement. Même Moutou Bakundi, moi, par la grâce de Dieu et au nom de Jésus-Christ, il peut ressusciter. Vous savez ça déjà combien? Ah, papa Franck. Non, on a secoué tout. Atayomoko. Mais, papa Franck. Atayomoko. Papa Franck. Tout ça, Léonini. Yoka et Loko. Yo. Oui, français, moi, tolo baga, il était une fois. Vous pensez que ça ne peut jamais commencer, même aujourd'hui? Ça peut commencer aujourd'hui. Il fallait ça. Non, après, on a la TV. Non. Avant, on a la TV. Ah, t'es, on a la caméra. Buto kende na cimetière ça bien ndam moko za na kitambo bo papa Frank Luka pas très loin d'ici to kende na cimetière kitambo au moins na saison oyo to za na saison ya te to kende mu colonie non ndele on a rien répondre moi je suis prêt s'organiser to kende même ma caméra on va travailler on va le faire c'est l'œuvre de Dieu mutakufa to za na yoka to za na moment oyo impossible aux hommes. Nous devons les démontrer que c'est possible à Dieu. Maman y a Eli sur l'autel de Baal. Vous comprenez? Bosangana, total, nous avons quitté sa moto, nous avons fait ça. Il y a solo.
tout ça n'a pas été banga bangate. Christ est vivant. Ni les autres lobisayo que na minute tu attends aucun cimetière que c'est que ça bat. Donc aucun cas na cimetière on ne sait que ça bat. Tu penses que Jésus tant qu'il est na cimetière au Jésus même la temps naie à ce que ça va battre nous. Sauf que c'est que ça Lazare. Tu as raison, tu as dit, ma plaire aux familles à Lazare qui sont auprès de Jésus-Christ. Voilà. Quand tu as dit, voilà. Si même ça a coupé, a bandi kutu kolumba solo. Jésus a l'élaki. C'est par rapport au dire, c'est par rapport à la demande de la famille de Lazare. De Jésus a kende kuna. Yo vende ka ou boum, balamo toke na simetou, nous sommes sa bat. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Na lobaki, pour vous démontrer la foi que moi j'ai. Moi, je suis un homme de la foi. La Bible dit, si tu as une petite foi, tu peux même déplacer les montagnes. Mais moi, je n'ai pas cette petite foi-là. Moi, j'ai un grand foi en taille. C'est-à-dire, avec la foi que j'ai, je peux déplacer des montagnes. Et ressusciter les morts au nom de Jésus-Christ. Faire marcher les boiteux au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Zangi trompe. Tosambe la zui trompe yasikape abotimwana. On a ce pouvoir-là. Comment nier ce que Christ nous a fait? Nous sommes un royaume de lumière. Là où il n'y a pas de saveur, nous sommes les sels de la terre pour donner des saveurs. Là où il y a le noir, nous sommes là comme la lumière. Une ville placée au-dessus d'une montagne qui ne peut être cachée. Nous sommes là pour cette œuvre. Il nous a dit, va, allez-y, guérissez les malades. Voici les signes qui vous accompagneront. Les signes des miracles et des prodiges. Ça nous accompagne, ça marche avec nous, papa. Christ est au centre de tout. Oya te tembe, ame kanzambe, bongo tout en ce qui nous amba au salade. Parce que le lo christianisme n'a comme... Mais vous avez besoin de bouteille à maï, on est en train de s'en amai. Yes. Vous avez besoin de bouteille à maï. Vous avez besoin de bouteille à maï. Papa Franco. Vous avez besoin de bouteille à maï. On est comme magie. Voilà, voilà le cas magicien. Mais ceux qui ont fait à Cana, ceux qui ont aussi fait à Cana, les lots, tu as changé de bouteille. Eh, il y a un peu que Christ avait dit que vous ferez mieux que moi. Non, il y a un peu de mal dans la ville. Tu n'as pas tout le temps rabibé, papa. Il y a ça, c'est le cas. Non, mais tu as dit que Jésus te dit que non, ah, on va s'en essayer. Est-ce que Jésus a besoin de toi, langue? Donc, sa mère Marie avait besoin de que les gens. Je suis entré. Tu es malembe. Je suis entré. Au moins, papa Denis laisse. Baka, il y a là qui est impossible que ma père ait un salaire à ma cambouto landa. Peut-être qu'à moi. Batouloko, là, papa, il dit Nabala. Moi, je suis en étage. Atiye ma boka sambeli, moi, naye. On dirait que je suis en étage. Papa Nangaï. Non, nous avons un Dieu dans ces pays. Nous avons un Dieu dans ces pays. On va citer prophète David. Merci. Je pense que tu vas comprendre quand même votre souci. Et je pense que nos portes restent ouvertes. Gloire à Dieu. À tout moment, ce que vous avez un message, je vous le peuple en Zambo, Bazali, et par à travers le monde, parce que je dois vous dire que nous sommes suivis partout à travers le monde, grâce à notre chaîne YouTube Africa Info. Amen. Et je pense que tu vas l'indiquer. Et Bazu, Marabou, Malobanan, nous sommes en considération. On va afficher votre numéro. Comme ça, la suite, vous allez continuer avec le peuple de Dieu par la voie téléphonique. Par la voie téléphonique, pardon. Okay. Et je pense que vous allez là. Et le mot est important. Mais pour terminer cette émission d'aujourd'hui, tout aussi dans le Banin. Émission à l'élo. Je sais que vous avez des problèmes où ils ont nécessité intervention Yanzambe. Moi, votre humble serviteur, le prophète David Kampench, je vous invite. Aux en a pas problème, il y a dokima. Aux en a pas problème au botakate, ceux qui malade nini, malade on a pas minganga, batangé la okombo nangwe bangi sayo. Appelle-moi. Nous allons prier pour vous et vous allez vivre la main sainte de Dieu. Écoutez, ma main est courte, mais la main de Dieu pour te toucher n'est pas courte. Si tu as la foi, tu m'appelles, tu vas vivre le miracle dans ta vie. Vous allez kambobo takate, je ne sais pas, faiblesse sexuelle. Oh, et l'eau qu'on a et bungi. Nous avons la puissance de Dieu, la prophétie sur le plan, la prophétie, il y a localisation, on a la capacité de localiser l'eau qu'on a bungi. Moi, na bungi. On a la prophétie de localiser tes génétiques. Makila Nayo, qu'est-ce qui se passe dans le sang? Parce qu'il y a des familles liées à travers le sang. Nous avons
cette grâce-là que l'Éternel nous a faite. Alors appelle-nous. Appelle-nous, nous allons prier. Ton ministère n'évolue pas. Appelle-nous. Tout ça, là-bas, témoignage est belé en Europe. Et belé. Et puis, enfin, je vais vous inviter par la permission de Papa Franck. Abonnez-vous à ma petite chaîne de YouTube. Kaka nengo moni kombo ba komi en bas de l'écran prophète David Kampenge obakisi kaka officiel na suka oki o s'abonner na chaîne nangai oku tape makambo mususu ya bien ko sepelisa yo ezawana. Je reçois l'appel 24h/24. Pesa numéro de téléphone. Mon numéro nanga téléphone eza ya WhatsApp +243 82 711 78 53. Pour la meilleure audition, +243 82 711 78 53, prophète David Kampenge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète David. Nous sommes à la fin de notre émission. Revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Je pense que Bandeko Batali Bisso sont tous contents par rapport à l'intervention dans une émission à l'Elo. Ça nous a fait énormément du bien. Merci beaucoup à tous les amis également, vous qui nous suivez à travers le monde. Même pour 30 secondes. D'accord, d'accord, allez-y, allez-y. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Si tu es malade, Simba, ici au Zobela, si tu as un problème, imagine ces problèmes-là. Si tu as, si quelqu'un est malade, en coma, il a une crise, il est loin de vous. Pensez seulement à cette personne-là pendant que je serai en train de prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu des esprits des prophètes, Dieu qui m'a établi, qui m'a oint comme son prophète, je bénis la sainteté de ton nom et ta fidélité parce que tu vas les démontrer encore en ce moment. Je prie pour mon frère et je prie pour ma sœur au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce touche sa vie, transforme sa vie. Que tout ce qui est des maladies, diagnostiqué par le médecin qui ont déterminé des maladies incurables, tu es guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus Christ. Reçois la restauration, reçois la restauration, reçois la restauration à partir de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ton travail, dans la vie du couple. Recevez la restauration dans la vie de tes enfants au nom de Jésus Christ. Et que la RDC soit bénie et que l'Afrique soit aussi bénie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète David. Nous sommes à la fin. Nous remercions l'équipe technique, Maïle Sadiki, Papa Narenedi et Choukrana. Merci également à Obed Toko, sans oublier donc les soldats, l'intelligent Merveille Mampouya. Merci à vous et à très bientôt pour la suite avec notre invité. Au revoir. CEC Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, CEC Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limété 1ère rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallou. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. CEC Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche sombele souka bisanga Bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live Oyo Eko Banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aiment la silesi Mbala Moko Night Club to boîte et fungwami à partir il y a minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, à cause de Pelissabino, on a bandou les peines ambiance. Il y a qui toco. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Futur.
Nous avons la 50 boîtes. Nous avons la 50 boîtes. Chez Djonga, Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassimé McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, Twanga Nantaba, Yangon des Alimo, Boko y ambiance, Nakati à Paris, Pena France Mobimba. Bana Guin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité à ses Moko, Afrique Info. Avec Franck Semaï, qui est en Dankala. Twende! X-Bass.